Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeu. On se retrouve dans une vidéo assez rapide de PVP avec Sulxus et on est contre un sacreur 200 grade 9 sur le serveur Lily. On est sur le serveur officiel, pas sur la bêta. Et je commence direct cash avec un réseau de pièges. En fait la vidéo est pas en entière, j'ai pas tout filmé le combat. J'ai filmé que les gros moments et là je commence avec un réseau autour 15. Mais vu que ce réseau là va pas le tuer. C'est vraiment un tour 15, donc c'est la moitié du combat presque. Ou déjà, j'arrive à casser un réseau. J'étais presque mort, hein, je sais pas si vous avez vu. C'est vrai que c'est assez rapide, mais je crois que j'avais 700 points de vie, un truc comme ça. Et vu qu'il est level 200, il fait vraiment très mal. Il est grade 9, donc il a vraiment accès à un grade 9 ou 10, 9, je sais pas. 9, je pense. Il a accès à un gros bouclier. Si je le troll dans le chat, c'est parce que c'était un gros rageux en fait, c'est pour ça, mais ouais, rien de méchant. En fait, quand je l'ai aggro, il m'a sorti une phrase, vous savez, les disquettes du genre bouge, j'ai pas que ça à faire de perdre mon temps. Bon. Mais ouais, c'était un combat quand même assez intéressant, mine de rien. Le problème, c'est qu'il jouait pas à l'arc. Et faut jouer à l'arc contre les SRAM, ça c'est sûr et certain. Là, il avait comme seule possibilité de me taper, c'était le marteau de Moon. Donc c'est quand même pas facile, c'est une fois tous les 3 tours ou 2, je sais plus. C'est quand même pas bien simple. Donc il galérait, donc là vous allez avoir une grosse période où il va se soigner, après je vais couper à un moment. Enfin bref, c'est juste histoire de vous poster un combat comme ça contre un sacré level 200 grade 9, voilà j'ai coupé, j'ai mis plus tard au tour 24. J'ai 1100 points de vie, c'est vraiment chaud, je dois vraiment gérer l'invisibilité, lui la puce full régène pendant ce temps-là et j'ai refait un autre réseau sur le côté. Donc il y a pas mal qui regardaient ce combat je crois sur le jeu de Lily. Enfin quelques potes, je crois, d'autres personnes. Donc le mec s'appelle comment le sacré Tree, Free, Free, je sais pas comment. J'ai un trou de mémoire. Bon, vous le verrez bien de toute manière à un moment ou à un autre. Il joue en Grand-Duc, il me semble. Grand-Duc, peut-être Grand-Duc Klim, j'ai pas fait gaffe au raise. Je m'en rappelle plus bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait mal. Hein. Les marteaux de Moon, no boost, il me les sortait à 550. Je crois pas qu'il m'ait touché à l'assaut, heureusement, parce que j'aurais pris très cher. S'il avait pu me toucher, mais bon. C'est vraiment un sacré. Il faut jouer à l'arc, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc, c'est pour ça que je poste. Parce que, quand même, je dirais un mec qui a 40 levels de plus, grade 9, en étant grade 1. En plus, je suis pas super opti. J'ai pas même pas parché au mes sorts. Enfin, c'est vraiment du. C'est juste que les SRAM sont bien cheatés, en fait, quoi. Bon, après, le sacré aurait bien pu me gérer. Hein. Il a quand même accès au Doppel. Et puis, je trouve qu'il jouait pas très bien, en fait, parce qu'il arrêtait pas de se soigner sur ses invoques. Ce qui servait vraiment à rien, quoi. Il fallait juste les garder et pour transpo avec, coop. Alors que se soigner, c'était bon, fallait se soigner un peu, mais je trouve pas ça super utile. Plutôt les garder pour le placement. Et donc là, c'est bientôt la fin, tour 26, quand même. C'est un combat vraiment assez long. C'est compliqué, je crois. Vous allez voir, là, il me casse un marteau de Moon. 600, presque. C'est vraiment tendu, j'ai plus que 550 points de vie. Donc vraiment un combat très serré. Bon là il déco mais il se reconnecte vraiment direct derrière donc vraiment pas de soucis à ce niveau-là. Je crois que l'arc ne va crever, je me rappelle plus bien. Vous voyez le réseau est assez gros quand même, je crois qu'il y a 10 pièges ou peut-être un peu plus, enfin bref. Et quand même j'étais vraiment super content de battre un sacré comme ça, donc voilà, si vous voulez un espèce de tuto pour ça, c'est pas compliqué avec les SRAM. Vous prenez la cape de classe, vous faites. Vous mettez toujours invisible, quoi. Vous faites votre réseau dans un coin, pas en plein milieu, sinon ça sert pas à grand chose. Et dès que vous êtes visible, et bah vous barrez un maximum loin, vous jouez avec les répulsifs pour pas qu'ils puissent vous attirer. Comme là, vous voyez, c'est vraiment l'exemple typique. Le répulsif est mis de sorte qu'il puisse pas m'attirer. Enfin, il peut, mais quand il va m'attirer, bah ça va décaler sur le côté, donc bon, ça servira à rien. Donc là, il faut une épée, du coup, vu que ça sert à rien de m'attirer. Maîtrise cache, je sais pas si on a pu voir les résistances, il avait quand même 40% terre, à peu près 30% avec en feu avec le bouclier je crois. Vu que le ventail donne 20, 20 ou 15, bon c'est pas très grave. Donc là c'est vraiment le moment crucial, j'ai plus que 400 points de vie, c'est super chaud. Lui il a 4000 points de vie. Mais vu qu'il y a un super gros réseau, bah voilà c'est chaud. Donc j'étais vraiment content d'avoir placé ce petit réseau. J'ai pas fait en live, je suis désolé, j'étais vraiment concentré durant ce combat, pas pu commenter en live. Puis j'aurais pas pu commenter grand chose. Et voilà, je vais le tuer. Bien joué quand même à Free Dexion. Je vois pas son pseudo. J'ai de la merde, ça se trouve, il s'appelle pas comme ça. Et il se prend un gros réseau à 4000, je crois. Ça fait vraiment plaisir hein, pour un grade 9 comme ça en aggro. Ouais, j'ai peut-être pas précisé. Moins 1600 points d'honneur. Ça apprendra aux gens comme ça qui se la raclent un peu. En me disant, oui, j'ai pas le temps, tu es trop nul et tout. Bon, voilà.
C'était le tarif de Sexus. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé et à plus dans le bus.